C'est bon, je crois que je suis prêt. Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. On va aller regarder des games en bronze 1, qui est le rang le plus bas de Rocket League. Bon, je sais pas si j'arriverai à trouver des games correctes, puisqu'en fait, faut savoir, c'est que la plupart des gens qui descendent en bronze 1, bah, sont des gens qui ont voulu descendre en bronze 1, et pas des gens qui y sont parce qu'ils débutent ou quoi que ce soit. Donc j'en ai trouvé quelques-unes qui pourraient peut-être le faire. C'est parti! Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner pour me soutenir et m'encourager. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et je vous souhaite un bon visionnage. Et on est donc parti pour la première game. Donc on va juger un petit peu les voitures, évidemment. Je vais laisser en mode réalisateur, je sais pas si c'est le mieux ou pas. Oh, je veux une paladin. Oh là 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 là, la paladin. Elle est magnifique. Ok, donc ça va stater. On va voir un petit peu ce qui se passe ici dans les games. Oh. Bon, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est quand même des débutants ou bien des gens qui jouent très peu au jeu. Mais quand même, pour descendre bronze 1, moi à l'époque, quand on spawnait, je dis à l'époque, c'est il y a 5-6 ans, en fait on arrivait gold quasiment, même si on perdait un petit peu. Donc je me dis, bronze, ça fait quand même vachement loin, faut quand même beaucoup perdre. Ok, on a une tentative. Oula, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Faut toucher le ballon, s'il vous plaît. Si on se rappelle nos débuts un petit peu sur Rocket League, ça ressemblait beaucoup à bah, juste rouler sans taper la balle, parce qu'on avait vraiment du mal à taper la balle. Pour le coup là, ça va encore, je suis assez surpris. Hein. Ok, ok. Il y a des tentatives, il y a des trucs. Bah, faut utiliser le boost aussi. Hein. C'est bien d'avoir son boost, mais il faut l'utiliser. Bon, il y a beaucoup de précipitations, on voit, hein, on rate beaucoup les ballons. Et pourtant, ils vont pas très très vite. Ok, le dégagement. On a Jules qui nous fait un coup de la bicyclette. On essaye de dégager tranquillement. Et j'ai pas les pseudos, je devrais peut-être les mettre. Y a pas un mode pour voir les pseudos là? Oh. Ah, on a du mal à se coordonner ici pour la défense. On joue en marche arrière, hein. On n'a pas trop le temps en fait. De toute façon, le boost il sert à rien donc. On joue en marche arrière si on peut. Ok. Mais tu viens de cut ton mate! Mais Jules, voyons. Jules. Je sais même pas s'ils sont en duo les frérots. Attendez. Ah, j'ai pas ma touche. Bon, c'est pas grave. Je vais voir le tableau des scores, mais ça sera pas très intéressant ici. Ok. Ryan? Bah Ryan. Pour le tir? Oh. OMG, OMG? Non. Non, mais... Il l'a décalé, on faisait un pre-flip, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, en vrai. Ok, y a pas de but, tant mieux. Ça a été save. Tranquillement. Bon, on se bouscule encore un petit peu. On a du boost, peut-être. Une aérienne, un truc. Ok, on prend pas le risque d'aller sur le mur. Pourtant, lui, il a pas hésité du tout. Il n'a pas hésité du tout à aller au plafond, même. Ok, petit créneau. On se bouscule. Tout va bien. Tout va bien. Calme-toi, calme-toi. Voilà. On dirait, moi, quand j'essaye de faire des wave dash en boucle. Et chain wave dash était. En fait, non. En fait, tu fais un wave dash. Et tu ressautes au lieu de faire ton wave dash. Et du coup, tu vas refaire un wave dash là où t'as sauté. Bah, du coup, tu ressautes parce que t'as mal géré ton timing. Je suis sûr qu'il y en a, c'est déjà arrivé. C'est sûr et certain. Ok, oh, bon, une petite tentative là. Ce serait temps de approfondir ce score et de mettre un nouveau but. Ok, peut-être. Waouh! Mais il est passé tellement vite à côté de la balle. C'est une Formule 1. C'est quoi cette dinguerie? Ok, il se met sous la balle. Ouais, c'est dur, c'est dur. En réalité, c'est dur au début de bien calculer les trajectoires où on est. Et surtout avec la caméra, quand on est en dessous, on voit plus la voiture. Donc c'est assez compliqué. Ok, on va dégager tranquillement cette balle à deux peut-être. Oh, oh non. Oh non, quoi? Non, ça rentre pas ça? Oh. Oups. Non mais il y en a un qui est resté dans les cages là. Le mec en face, il bouge plus. De toute façon, en fait, je pense que même on devient. En fait, il y a beau voir des couleurs. N'a pas trop d'intérêt ici, puisque bah, tout le monde tape dans la balle sans trop comprendre. Et avec un petit peu de chance. Ok, on a un petit rebond sympa là. On va faire la défense tranquillement. On a Ryan qui va mettre la pression. Ouais, ouais, c'est pas la bonne pression. C'est pas dans le mur qu'il faut taper. Mais non, gros, tape pas dans le mur, gros. Non, mais qu'est-ce qu'ils font? Il a perdu la balle. La balle a été récupérée. On accélère ici dans le corner. Ok, le centre. Dommage qu'il y ait personne. Oh, il y a une... Eh. Non, il y a un truc, la petite aérienne. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Bon. Open.
Oh là 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 là, mais cette récupération est magnifique. Cette récupération est magnifique. Eh, pour le coup, c'est pas aussi surprenant que ça. Mais c'est vrai qu'il rate beaucoup. C'est vrai qu'il rate beaucoup, mais non, en vrai, ça va, ça joue, ça joue. On va voir ce que ça donne sur les autres games. Normalement, c'est pas les mêmes. J'ai essayé d'en trouver des différentes. Bon, il y a des games, et en fait, en cherchant des games, tu regardes, la plupart des games, c'est soit 0-0 parce qu'ils FF, soit 10-0 parce que bah, c'est que des smurfs. On va donc passer à la deuxième game. Ça y est, nous y est. Deuxième game. C'est parti. On a une... Ah non, c'est celle-ci, la paladin. C'était pas l'autre, je suis trop bête. Oh, let's go, le premier but. Magnifique. Si, il est inarrêtable, en fait. Arrivé à un certain niveau, si la balle, elle est autre chose qu'au sol, elle est inarrêtable. Ok, ça tente un truc. Ça part en l'air. Ah. Oh, c'est un smurf. Ça ne m'intéresse plus. Suivant, suivant. Alors, ici, est-ce que nous aurons la possibilité et la chance de... avoir 4 bronzes, peut-être. Ok. Ok, ok, ça... Pour l'instant, pour... pour l'instant, c'est bien parti, quand même. Hein. Au niveau des voitures, au niveau du jeu. Ok. Ça touche le ballon. C'est pas mal, c'est pas mal. On a un petit dégagement, ici. Oh, dégagement un peu... un peu catastrophique, mais... avec de l'envie. Et c'est le plus important. Ok, marche arrière. On a bien vu que ça marchait très très bien. On continue, du coup, hein. Toujours en marche arrière, évidemment. Oh, le dégagement. Dégagement. Oh là là. Là, on a une accélération digne des plus grands. Et c'est le but. Premier but qui a été enclenché, là. Là, enclenché. En 41 secondes. Ok, le double kick-off. C'est une strat. C'est une strat. Une strat qui marche apparemment en bronze. Est-ce qu'on peut finir cette action? Parce que là, on est sous la balle et on fait rien. C'est... Ouais, c'est... Ouais, faudrait... juste reculer un peu, sauter, tirer, tu vois, genre, sans prise de tête. Non mais c'est quoi cette balayette là? Bol de bluseur. Il y a un nom de monster truck. Ah bon? Oh, ça, si ça c'est pas but. Non, ok, c'est pas but. Il va rater. Ok, il rate pas. Là, il a bien pris son temps. Par contre, on a vu l'autre, il y a tapé dans son pote, ça me fume. Ok, ok, ok. J'ai l'impression qu'il est quand même pas si mauvais, tu vois. Ou ça, c'est juste parce qu'il prend bien son temps et tout, et même au kick-off. Bon, ça a déjà 3-0. Ah non, 2-1, merde. Putain, je me suis trompé de côté moi-même. Enfin, je suis perdu, je comprends pas comment ils ont réussi à faire ça. Ok, ok. Le kick-off qui est favorable pour les oranges. Omrion, peut-être. Faut toucher la balle, les frérots. Ouais, ok, on essaie de prendre son temps, on essaie de contrôler. Non, c'est toujours de l'autre côté en fait, t'es bleu toi. Toi t'es bleu. Et la couleur. Hein. Ok, il a du boost. On va pouvoir accélérer un petit peu. Ouais, on s'est cut mais... ouais, pas dans la bonne direction quoi. Ça vise bien les corners par contre, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est que les corners on les aime bien. On reste beaucoup de temps dedans. Le centre, dommage. Ouais, tout le boost qu'il a gaspillé pendant qu'il s'est fait bump. Après ça c'est... ça me paraît... un petit peu normal quand même. Il n'y a pas de bruit de moteur bizarre, de boost, de trucs comme ça. Par contre, ils ont beaucoup d'accessoires, mais ça va encore. Niveau des voitures, ça va encore, pas trop choquant. Oula, oula, oula. C'est passé quoi là? Bug server? C'est normal? Oui, Ghost Touch. 2-2. 2-2-2-2. C'est passé entre les deux là, c'est joli, c'est un joli petit. Nouveau kick-off. Wow, ils sont envolés. Et envolés. Ça va, ça va. Tu mets un coup de tonneau au lieu de faire des pirouettes. Là. Oh, c'est open. Il y a pas de gardien. Si, il y a un gardien. Ok, il y a un gardien. Oh, il a pas eu le boost. C'est dommage. Team ici pour le tir. Ah, c'est un flop. Ah, c'est flopesque. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de cette balle? Elle décolle du mur, donc c'est un non. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué. Ok, c'est bien dégagé aussi pour le bump. Ou le turn. On a un turn là. Oh non, dommage, il avait pas de boost. Est-ce qu'il y a but? Ben oui, mais... ben attends, genre, essaye de faire autre chose que de tirer dans ton but. Lui, il a abrégé ses souffrances. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, du coup, avantage pour les oranges pour l'instant. Moi qui m'attendais au bleu.
qu'ils allaient dominer ce match, mais pas du tout. Ok, c'est en l'air. Qu'est-ce qu'on fait? On saute ou on attend? J'ai l'impression qu'on attend. Ouais, on attend un peu. On attend un peu, ouais, ouais. On joue avec le mur ici. Le 50-50, qui est plutôt correct pour les oranges. On se bump. Est-ce qu'on peut récupérer cette balle maintenant? Est-ce qu'on peut récupérer cette balle? Ok, embryon. Ah, dommage. Un petit peu trop lent, malheureusement. Hein. Mais bon, est-ce que le dégagement est concret? Non, pas du tout. L'action n'est pas finie ici. Hein. On a encore une minute au chrono. La tension est à son comble. Qui c'est qui va gagner? Oh, voilà, ça c'est but. Oh, la save. Je suis choc barre de baiser, là. Ouh. Ok. En vrai, je m'attendais que ça soit un tir simple et qu'il puisse être arrêté, mais quand même. Solide sur les appuis. Plus que 20 secondes. Ce qui fait que... Ah. Je crois qu'on a FF. Quoi? Non. Ok, il a réussi à sauver cette balle avec le bump. Je crois qu'il y a eu un bug de manette ou quoi que ce soit. C'est fort probable. Hein. C'est très très fort probable. Ok, pour la dernière action peut-être. Mais prenez votre temps. Ok, il reste 10 secondes, mais... 10 secondes, c'est encore un petit peu de temps, quoi. Et la petite dernière pour se faire plaisir. Oh, le fameux AFK. L'AFK de début de partie qui nous a tous touchés et traumatisés. Mais je pense que ça devrait aller, hein, ici. Pour l'instant, pas de but. Oula, la voiture, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette voiture, hein? Oh, ça fait des petits créneaux, j'aime bien. Non, mais les mecs, ok, il faut se reconnecter un jour. Oh, je crois qu'il a... Ah. Ok, non, ces touches ne fonctionnent pas, ne répondent pas. Il nous faut encore un petit peu de temps et de maintenance. Technique. Ok, je crois qu'il bouge. Je crois qu'il bouge. Ok, oh, le tout droit. C'est le tout droit. Oh, mais quoi? La save de Zinzin. Non, 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 c'est une folie. Sur la ligne. En plus, vous avez vu, il a voulu faire un musty. Il voulait flex sur sa tête, là. Il voulait flex sur sa tête et il s'est fait karma. Instant, genre. Ok. Oh. Ok, ok. Est-ce qu'il va tenter? Ah, il a pas l'air si mauvais. Hein. Non, lui, je pense qu'il doit pas vraiment être bronze. Parce que bon, bronze, normalement, même du mur, tu sais que tu vas pas toucher, donc tu vas pas y aller. Et là, il a tenté. Franchement, il a tenté. Il joue avec les murs et tout. Ouais, lui, je pense qu'il... Ouais, je pense que ça sent le smurf quand même, hein. Bon, ok, c'est pas du très très haut niveau en termes de smurfing, mais c'est clairement pas du bronze. Est-ce qu'on arriverait à deviner un petit peu son rang là? À lui là. Moi je pense que c'est quand même du diamant. Hein. Je pense que c'est quand même du diamant. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça doit pas être très loin. On va quand même la regarder. Bon, si ça commence vraiment à être un peu n'importe quoi, on passera peut-être à une suivante. Mais la game avait l'air serrée plutôt en termes de score. Donc on verra ce que ça donne. Bon, pour l'instant, c'est assez compliqué. Hein. Pour l'instant, c'est assez compliqué, on a 2-0. Il y a eu un petit souci de connexion au début, du coup, c'était ok. Mais, oula. C'est quoi cette strat de paléo kick-off, là? C'est pas une strat, ça. La strat no kick-off, c'est pas une strat. Ok, on a toujours du mal un peu à se coordonner. Oh, qui récupère ce contre. On va pouvoir, du coup, accélérer, centrer, essayer de faire un truc. Dommage, c'est très bien défendu, ici. Bon, forcément, il se meurt, donc ouais, il touche un peu mieux les balles, ouais. Il la met pas? Oh là là, mais quel save! Il a raté. Et il se défend, hein, malgré le fait qu'il soit contre un smurf et que. Ouh, il débute probablement sur le jeu. Ça se défend quand même. Bon, je pense qu'ils ont très peu de chances de gagner. Mais les saves sont présentes. Ça fait deux saves qui font incroyablement, en vrai. Hein. Pour le coup. Assez impressionné du niveau en défense. Bon, ça manque de coordination pour attaquer, mais au moins on a la défense. Au moins on a la défense, genre. On sait sur quoi travailler. C'est... Ouais, c'est toucher la balle quand même. Ça peut être assez important. Ok, le cut ici, il peut être très utile si on continue à accélérer. Ok, dommage. Ouh, on a une bonne défense là. Ouais, ça va être compliqué, le mec accélère instantanément. Il ne la met pas. Ok, bon, il troll en fait. Ouais, d'accord, ok, ouais. Ouais, d'accord, ouais. Et va faire ton musty, vas-y.
Et va prendre ton but là. Prends ton karma. Prends ton karma, mon gars. Oula, la game, c'est un vrai bordel en fait. Ah bah, je serais comme lui, parce que je serais complètement choc-barre. Genre, tu pousses la balle, tu vois trois mecs passer à côté. Bon. Tu les regardes, tu fais. Génial. Bon, il se passera plus rien. Je pense que la suite ne s'annonce pas exceptionnelle. Ouais, bon, le mec met des buts dans l'autre camp maintenant. C'est plus trop intéressant. On s'arrête ici. Bon, comme je m'imaginais, c'est assez compliqué quand même de trouver des games parce que la plupart des gens en bronze font exprès d'être bronze, comme je vous l'ai dit. Mais c'est quand même vachement intéressant. Et j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.